kwamba Ibrahim ikawa utajia wafanye zile as fiscalize hao haustehi ze normal wada zoka ni kumoria si hatu yo ndo ni mwezi nsika yao na harama na huo ndio hiyo namna ya utahisaidisha namna ya utawakana leo ze information fiscal zi wasuili hadari za ukana wanguti kia watetua kwa mena kwa mena kwa mena nwa kati na wakazi nunguza ni mengi na konsultasyon ni matuma na watu kwa mkana wanguwalu ndi mbiu ndi wakubalie mula masatina ndi zi mbiasi fiscal zita finansika usu zi wangani wakati shazije namna nzima yote pia arenge kanza ro nzima mkana adani dokana na reporteu umhula wa udepozi zi ya fiscalizo ulio kana rikauzi linda le 31 mars na ho kani swale wenu ya njizomba vio umhula ili wa zifanye zi za zawizo ziparise atejomula le 30 avril 2019 yote mungu ya mwando na kamzari juze maraia wakumoro na ususani na wala wangu wa mabalazazi na wala makontibuwa kwa hafu kwa ya mili lukana ina mjoo lukana na fina za mabandu si hamza risagisha haku makontibuwa kwa hafu wenge mwahongu wenge ze disposition lukana wa sagisha haku na lukana rizidisha ila namna ya ufanya hazi harma kunu direksyon regionali sida unu bae nana mzuwanya mwali watu tena ribuwa kez ula direksyon regionali nana munu direksyon de grandes entreprises ribuwa kez za satena ili risahilishe wala ma kontibuable kuna mbabano harma zika zizao harma zizao ribuwa wajau tena harma susante wala wasa inu gamungeo kana zesu santra za hatu ama Fumbuni ama Mbeni ama wajau tena santra za muli ribuwa malaiho ili wanguwa pasiwa ikawa waliwe zenyu shuru zinu jende huko muono kana rilauza rihashirishe wakumori harumomba uo ya uwashelezi za uka umhula wa mwiso ukau pangwa le 31 mars na usukwa lewinu abenge haila demand haula demand kao rumunguka na tajunda basa inu wawonji haku wala waja za harma zibiru za hatu agora huunu rima gafu nangu kuna kubonzi pia jimundo kani la jimundo nge decision sabi wangu kani yo karachu nga namna kusasa rifanya kwa situasyon asinu kwa nao hatu na wakana gani jizao wanantiu vandu rangu leo atejeu hondre ni 3 avril prochain ani du samedi à 16h ani sakume mor wango fanye waje watekeleze zile wajibu zao harimo attention fiscal ani abozi hazinga rjoda na na kufamishia hao mahali ndio kama na mbua ulionda hunu direction regional ulio na mjeje wa base 60 ya rabuae ze question unzena ulio na mazi centre rangu fubuni atejeu ngonde mitsamuli wana na mimi wanu wa bidio waendelea wanaole ma bavu wa bidio waendelea na uliwa zinzo zao arama bavu wengi wa kurufu kanza ni mshelezeni hauri pass information hiyo harma maraia wa kumor kodi kwanza pia na ndio ngikao pasiwa nese mishura zimbabani nando kana barungwa yu patante barungwa wao ETPU na barungwa wao evinyeti wajau tena zimishuru hizo umhula wa utiliva ndiyo lutua avril ani mwezi mraru ya avril kayaonge alikenao mifungu mti kabil asezo mbwa tukufo informasyo ya kantagite na nimesheni marahaba na mba mungu wa kani informasyo inu ikarisa utimdifu wa huwa kumori ikawa pasiwa jiza na mwazinu wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. D'abord, je voudrais remercier monsieur le journaliste qui est venu ici aujourd'hui
pour prendre cette information. Cette information, nous pensons que vous allez la diffuser de façon à ce que les Comoriens et tous ceux qui sont passibles des impôts et taxes d'avoir cette information qui est donc très importante pour nous. Je voudrais commencer dans par un peu point sur le dépôt des liasses fiscales. Comme nous l'avions dit, comme nos agents ont passé l'information, ils ont essayé d'informer à tous les contribuables que les liasses fiscales de cette année doivent d'abord respecter les normes mandat. Non seulement de respecter les normes mandat, mais aussi d'être déposé ou bien d'être présenté, d'être déposé au 31 mars. Mais vu la situation, vu que c'est tout un début de choses que nous voudrons faire, oublier ou bien mettre à côté la façon dont chacun voulait faire le résultat financier de ce liasse fiscal, donc nous avons jugé nécessaire. Et là, je profite encore de le dire que ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas c'est quoi les liasses fiscales, c'est quoi les normes ADA, et bien qu'ils s'approchent aussi de la direction de l'administration fiscale, on va leur indiquer des agents qui vont, en fait, des personnes qui vont essayer quand même de les accompagner dans ce sens. Et bien, ce dépôt de liasse fiscale, au lieu de ce 31 mars, nous reportons au 30 avril prochain. Un deuxième point que nous avons bien voulu passer à toute la population comorienne, mais surtout à les contribuables, c'est par rapport au paiement de la patente, par rapport au paiement de la TPI, par rapport aussi au paiement de vignettes, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires en essayant de faciliter nos chers contribuables afin de ne pas avoir de problèmes quand ils arrivent dans nos locaux. Notamment par faire une extension des caisses, par faire une extension aussi de la façon dont les liquidations sont faites. Eh bien, nous avons recouru, comme vous avez vu ces derniers jours, avec la sensibilisation qui a eu lieu, on avait cru qu'au 31 mars, en fait aujourd'hui, on allait avoir tout le monde qui a déjà payé en fait ses droits et taxes, en fait ses obligations. Très malheureusement,